Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va revenir sur Outlast 2. Je suis à peu près à l'heure qu'il est à 15 heures de jeu. Je vous montre à peu près ce que j'ai débloqué, ce que j'ai fait un petit peu dessus. Je suis pas encore fini, hein, parce que bon, je sais pas si je suis loin de la fin ou pas loin. Je sais pas trop. J'ai pas trop regardé. Je sais que je suis à 15 heures de jeu à peu près, hein, entre 15 et 16 heures de jeu, voire 17 heures de jeu maximum, mais je dois pas être. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai découvert un petit peu à droite et à gauche. Alors, donc là, ben, donc vous avez les parties rapides, les multijoueurs, les extensions qui arriveront ici. Donc voilà, bien sûr, les extensions automatiquement seront ici, donc disponibles bientôt. Le pass saison que je prendrai par la suite, si tout va bien. Ça, c'est ce que j'ai déjà. Donc voilà. Les véhicules gratuits seront ici, donc il n'y en a pas pour l'instant, et les extensions bientôt disponibles, qu'on verra plus tard. Après, donc quand on est ici, quand vous faites la boutique, vous pouvez voir là, par exemple, là on se dit, bah ouais, on voit pas les caractéristiques de la voiture, il suffit d'appuyer sur R1 pivoter, et là on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, donc ouais, comme vous pouvez voir, il y a encore des voitures que je n'ai pas, parce que celles que j'ai, elles sont marquées possédées, mais il y en a beaucoup que j'ai pas encore. Hein. Ouais, je vais vous montrer tout ça dans la collection. Donc voilà, donc ceux-là, je les ai pas, je les aurai que quand j'aurai pris le season pass. Alors, hop, on va vous montrer tout ça un petit peu, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'en fait j'ai débloqué et tout ce qui reste encore à débloquer. Voilà. Alors, j'ai eu aussi un petit truc sur certaines voitures. Je crois que c'était sur. Alors, attendez que je retrouve laquelle c'est. Celle-là et celle-là, j'avais un point d'exclamation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cliqué dessus et je l'ai mis en suprême. Ça fait que, comme en plus, elles étaient marquées deux, donc ça veut dire que je les avais en deux fois et pourtant je les ai gagnées qu'une fois. Et du coup, en suprême, voilà, on les retrouve ici. Alors, j'ai celle de K2000, bien sûr, qui marche du tonnerre, je l'ai mise en suprême et voilà les autres. Elles sont arrivées en suprême. Et si je regarde dans collection, normalement elles y sont aussi. Elles y sont aussi. Sauf K2000 qui n'y est pas en collection, elle n'est pas dans la collection. Elle est partie directement dans le suprême parce que je l'ai modifiée. Où c'est qu'elles sont? Voilà, elles sont là. L'autre elle est là, voilà. Vous voyez, elle est là. Et l'autre est là. Alors celle-là, je l'ai gagnée qu'une fois et je l'ai eu en double. Je l'ai eu deux fois, donc ça fait que j'ai pu la elles sont parties en suprême. Et ça a permis d'enlever ce fameux point d'exclamation qui va dessus. Et après, comme je vous montrais quand même, il m'en reste encore pas mal à débloquer. Hein. Si vous regardez, de toute façon, c'est simple. J'en ai 60, il m'en reste à peu près 105 à découvrir. J'en ai que 60 sur les 165 qu'il y a. Alors je sais pas si, dans les 165 s'ils comptent les DLC ou s'ils comptent le jeu de base. Voilà, donc si je prends par exemple, là je suis à 165, je pourrais vous le dire que quand j'aurais pris le fameux DLC là qui rajoutera ces 4 là. Parce que là, je crois qu'il y en a 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Alors, je sais pas si dans les 165, ceux-là sont compris dedans ou pas. Je sais pas. Donc, voilà. Donc, on va continuer. On va repartir sur une petite course tranquille. Hein. Et là, si vous regardez, j'ai débloqué. Qu'est-ce que j'ai débloqué? J'ai débloqué déjà tout de bas. Tout ça, c'est fait. Vous voyez? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Vous voyez, la carte est beaucoup beaucoup plus grande que celle du premier Outlast qu'on avait.
Et franchement, il est vraiment sympa. Et il y a une histoire, il y a une petite histoire. Donc l'histoire, je vais vous montrer un extrait de l'histoire. C'était où que je vois ça, l'histoire. C'est où? Je sais plus où c'est. Ça allait dans le garage. Je crois que c'est dans le garage qu'on voit l'histoire. Éditeur d'autocollants, ça c'est pour les décorations. Livré. C'est là peut-être. Éditeur d'autocollants. Non, c'est pas là. Alors, je sais que on peut revoir les histoires. Ah, par contre, c'est où que je le vois l'histoire? Ça doit être ici. Dans collection, non? Ajoute des véhicules, gestion des véhicules. C'est où qu'on voit l'histoire? Ah voilà, histoire de Haute Twist, on le voit en bas à droite. Et là, quand par exemple, au hasard, hein, je reprends le dernier que j'ai découvert. Vous voyez, il m'en manque trois là. Il faut que j'aille les récupérer. Si vous voulez, voilà, j'ai fait celui-là en dernier. Hey toi, je vais te refroidir! C'était une blague? Venant de toi, vraiment? XR046, t'es plein de surprises. Voilà, vous avez une petite histoire. Donc ça me fait penser qu'il faut que je débloque le 14, le 15 et le 16 que j'ai pas. Donc je les trouverai. Hein. Et vous voyez, il y en a encore à débloquer. Donc ce n'est certain que j'ai pas dû faire. C'est des boss que quand vous débloquez le boss, vous avez une petite histoire avant le boss, avant de l'affronter. Il vous explique un peu. Pourquoi on va l'affronter? Et une fois que vous l'avez affronté, bah, il vous faut une petite histoire comme quoi vous l'avez affronté puis que vous l'avez combattu. Donc on en était où? On en était où? On en était où? On en était où? Là, par contre, on a les défis. Donc voilà, faut que je m'y mette aussi à les faire ces défis-là. Par contre, je me rappelle plus où j'étais. C'est un défi. Les défis, je les ferai plus tard. C'est quoi ça? Condition de progression, battre, ouais, ça c'est un chrono. Bah attendez, on va faire un off autrement, bouge pas. Hop. Voilà, on en était ici. Non? Pas ici qu'on était. Celui-là, faut que je le fasse, celui-là. À fond la caisse. Alors c'était une course que je devais faire et bah écoutez, j'aurais pas à la retrouver. C'est malheureux mais. Où c'est qu'elle est? Parce que je l'ai prenais dans l'ordre en plus, je disais. Récompense celle-là, je l'ai eue. Je sais pas où c'est. Bah écoutez, on va se faire celle-là. Monter sur le podium, mais bon, écoutez, c'est quoi? C'est dérapage, on va faire des dérapages, donc voilà. Donc je prends ma voiture en suprême. Voilà, hop, c'est parti. Alors, suivant les courses, vous avez des voitures que vous avez le droit de prendre et pas d'autres. Ah, c'est pas du dérapage, ça. Ah oui, c'est une course de boss. Alors, le dernier est toujours éliminé, hein, alors, donc, il faut...
fin de chantier. Ah bah, elle se retourne tout le temps, celle-là, par contre. Hein. Alors, elle a de la vitesse, elle marche bien, elle a tout, mais par contre, pour se retourner, elle est là aussi. Non, ça c'est un chrono. On va garder celle-là parce que au niveau vitesse quand même. Oh, je crois que j'ai fait une boulette. J'ai pas pris la bonne voiture. Ah ouais, j'ai pas pris la bonne. On va essayer avec celle-là, mais sinon je reprendrai. Je reprendrai kit. Elle dérape pas celle-là en plus. Bon. Je vais reprendre l'autre parce que celle-là, franchement, elle glisse pas. Elle veut pas. Dans les virages, elle glisse pas. Donc on recharge pas le dos. Ça va pas du tout. C'est celle-là, voilà, que je veux. Et avec celle-là, on va y arriver tranquillou. Normalement, je devrais y arriver tranquillou. Thank you.
vache. Ah, d'accord, ok. Alors, je sais pas ce que je vais avoir. Bon, alors, grand jeu. Alors, il y a des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. Je sais pas pourquoi. Faudra que j'étudie la chose. Là, le principe, c'est que j'essaie d'avoir déjà toutes les voitures du jeu. Et après, une fois que j'aurai toutes les voitures du jeu, je referai les circuits que j'ai loupés. Par exemple, les grands jeux, tout ça, que j'ai pas les trucs complets. Parce que comme vous pouvez voir, il y en a certains, j'ai pas les deux, j'en ai qu'un. Comme là-haut, là, vous voyez, j'ai que l'étoile, j'ai pas la coupe. Donc je reviendrai pour... je referai pour avoir les deux partout. La coupe et l'étoile. Donc, ça, je reviendrai par la suite tranquillement, à fur et à mesure que je reviendrai sur le jeu. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est de débloquer toutes les voitures, débloquer tous les circuits. Et une fois que je fais tout ça, après, je reprendrai le jeu tranquillement de mon côté. J'ai voulu éviter le truc et je me suis fait avoir. Quand vous nocez, vous pouvez passer à travers les dents. Hein. Mais si vous nocez pas, vous passez pas. Vous restez bloqué derrière. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand j'en vois un, je noce de suite. Comme ça, je suis tranquille pour passer.
pourquoi j'ai sauté là. N'importe quoi. Alors normalement, si tout va bien cette semaine, il y aura du tram sim, du train sim ward 4. Et il y aura, après qui arrivera, le 2, les schtroumpfs 2 Robocop, le 7 Tintin et le 14. Le 14, il y aura Goldorak. Voilà. Donc le 26-27 tram sim. Donc je sais pas comment je vais faire pour aller les chercher parce que il y en a un c'est le 26, l'autre c'est le 27 et ils sont à 500 mètres l'un de l'autre. C'est parce que ils sont pas dans les mêmes boutiques. Donc ça m'embête un peu d'y aller tous les jours, monter mon endroit. Vous me direz, il n'y a pas un grand kilomètre, hein, il y a 3-4 kilomètres, c'est pas ça. Mais bon, ça fait sortir deux fois la voiture pour y aller, ce qui m'embête un peu. Donc je sais pas si je vais chercher tout le 27 ou si je vais chercher... J'y vais le 26, si je retourne le 27. Et peut-être avec un coup de chance, j'aurai 13 noirs le 27, que je pourrais peut-être le récupérer le 26. Je sais pas, faudra que je voie. Je sais pas trop comment je vais me goupiller pour l'instant. Donc cette semaine, de toute façon, il y aura du tram sim et du tram sim war de 4, ça c'est sûr. Le 2 et 3, le 2, il y aura Robocop et les Schtroumpfs. Donc 1, le 2, 1, le 3. Que je ferai les vidéos parce qu'ils sortent tous les deux le même jour. Donc à moins que j'ai le temps de faire les deux vidéos dans la même journée et vous sortir les deux vidéos le soir à 20h. Ça dépend à quelle heure je vais les récupérer. Et le 7, Tintin. Le cigare du pharaon et le 14 Goldorak. Donc voilà, ça va être le programme là des 15 premiers jours, les 15 prochains jours. Donc voilà, c'était à peu près ça. Et donc, une fois que j'ai tout ça, on partira déjà pour faire quelques vidéos là-dessus. Et ouais, après, au Twist, je reviendrai de temps en temps. Au Gare Legacy aussi, je reviendrai de temps en temps dessus, faire des vidéos. Il y a un moment que je n'ai pas fait dessus, il faudrait que je refasse dessus. On va se lancer aussi Train Sim World 4. Et non, Train Suisse, monsieur Chris. Hein, pas Train Suisse, hein. Non, c'est un truc entre nous, ça. Non, mais Train Sim World 4, et voilà, donc... Et après, je ferai... Il y a un autre jeu qui arrive, c'est Train Suisse 4, qui arrive aussi le 26 décembre. Et Train Suisse 4, il arrive au mois de décembre, celui-là. Il va pas être mal, celui-là. Je pense que Chris, il va faire des vidéos dessus aussi, sur Train Suisse 4. Je pense qu'il va nous faire des vidéos, des lives au mois de décembre, à la sortie du jeu. Donc je vous invite tous à aller voir sa chaîne, aller voir la chaîne d'Arcadia, parce que Arcadia c'est pareil, il a commandé Train Suisse 4 pour le mois de décembre aussi, il a commandé Ascrim aussi, il a commandé pour Train Suisse 4 pour le mois de décembre. Donc je vous invite tous à aller voir leur chaîne, hein, Ascrim, Arcadia et Chris, alors c'est Chris, Arcadia et Ascrim. Allez voir leur chaîne. Et je vous dis, là, au mois de décembre, ils sortent Train Suisse 4. Et donc, sûrement qu'ils vont vous faire des vidéos dessus. Hein. Je vous invite à y aller. Franchement, c'est des très très bonnes chaînes. Allez voir ça. Ils vous apprennent plein de choses sur Train Suisse 4. Donc, voilà. Je vous invite à y aller. Hein. Allez-y. Hein. Bon, nous, on en est où dans tout ça? Parce que là, c'est bien beau. Hein. On discute, mais on n'avance plus. Eh ben on va faire celui-là, voilà. Sans limite, où les 20. Retour. Le problème c'est des défis, j'ai pas trop compris comment ça fonctionne les défis. Confirmer, on va confirmer alors. Terminer le jeu objectif, le base, course. Utiliser le type fusée. Utiliser les catégories suprêmes. Ah donc, faut que je termine. Faut que je fasse une course. Avec la voiture fusée et la catégorie suprême. D'accord, ok. Alors, une course. Alors,
il me faut la voiture suprême, fusée, la voiture fusée. Donc la voiture fusée, c'est laquelle je l'ai pas envie. Fusée, si celle-là c'est une fusée. Celle-là c'est une fusée aussi, celle-là c'est... Donc voilà, une voiture fusée. Alors, laquelle qui est la plus rapide quand même? Celle-là est plus rapide. Eh ben on va prendre celle-là. Donc on va faire cette course-là. Et normalement ça devrait me débloquer, si j'ai bien compris, le défi. Je vais découvrir que c'est peut-être ça, hein, mais je suis pas convaincu. Hein. Alors, je suis en train de penser, et j'ai activé le défi seulement. Attendez, et je crois que j'ai pas activé le défi. Attendez, faut que je l'active le défi. Parce que si j'active pas le défi, ça sert à rien que je fasse ça. Ici, il est activé le défi. Je l'ai activé. Donc c'est bon, je peux. Allez, on est reparti. J'essaie avec celle-là du coup. Parce que celle-là, c'était pas très. On va prendre celle-là. On va essayer celle-là. Ça va changer de l'autre là. Elle était un peu rigide l'autre, elle a eu du mal à partir en dérapage. On va voir si celle-là elle va mieux. Thank you.
Allez. L'oreille qui me grattait et du coup je me suis fait avoir. Je lui ai refait les dents. Au requin. Voilà. Donc si tout va bien, normalement j'ai débloqué le défi. Donc on va voir si ça a débloqué le défi. Voilà, j'ai fini le défi, vous voyez là, hop, du coup ça me l'a validé. Donc là c'est bon. J'en aurai d'autres des défis à faire parce que j'en ai laissé quand même pas mal. Parce que je viens de comprendre comment il fallait faire. Là on a un chrono. Vous voyez, là j'en ai un aussi défi à faire. Terminer l'objectif, 3 courses rapides. Utiliser le type de dérapeur. Et utiliser la compétence éclair. D'accord, ok. Ok. Eh ben, écoutez, on verra ça plus tard. Pour l'instant, donc.
Bon, celui-là, on l'a fini. Celui-là est fini. Celui-là, il faudra que je le refasse. Tu dis le type tout terrain, catégorie suprême. Alors tout terrain, faut que je sache où il est le tout terrain. Ouais. Bon, mais de toute façon, le truc c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, on va s'arrêter ici. Et je reviendrai peut-être plus tard quand j'aurai débloqué toutes les voitures et je reviendrai, je vous referai peut-être une vidéo pour vous présenter toutes ces voitures là. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.